Là. Salut, salut. Est-ce que tu me reçois, Robert? Daniel, s'il te plaît. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Bien, bien. Je peux vous emprunter 2 secondes la douche? Allez-y, allez-y. Merci, merci, je reviens juste après. Je dépêche. Pour le convoi, c'est bien ce soir? Ouais. Bon, je me dépêche. Allez, sors. Là, tout est bon. On verra bien. Est-ce que tu me reçois, Daniel, s'il te plaît? Je vais régler ma truc là. Attention. Attendez, je vais juste hop pour les canaux. Parce que j'ai pas envie de me tromper. Robert, pour Daniel, tu me reçois? Voilà. Hop là. Robert, pour Daniel, est-ce que tu me reçois? Jack, pour Robert, tu me reçois? C'est chiant des fois, ce truc. Daniel, est-ce que tu me reçois, s'il te plaît? Daniel, est-ce que tu me reçois? Je te reçois. Ok, bien reçu. J'amène, je prends tout le monde là au. Au, comment ça s'appelle au QG et on va partir sur Kavala. Est-ce que tu peux prévenir la gendarmerie comme quoi dans à peu près une dizaine de minutes ça sera bon? Hein, Daniel? Bonjour. Bonjour, bonjour, vous allez Bonjour, bien? je suis Califano. Ça va et vous? Ça va, ça va. Vous avez une GoPro sur vous actuellement? Affirmatif, oui. D'accord, moi aussi, hein. Alors Ouais, bonjour, mais voilà. moi c'est pas une GoPro, live, hein, c'est une GoPro GoPro Rect ou qui quoi? enregistre sur une D'accord. carte SD. Ouais. D'accord. Ok, bien reçu. Bien, écoutez, Donc montez j'ai dans le bien véhicule. reçu. Vous avez assez de chargeurs, tout ça? Dites-moi, hein. C'est le moment de s'équiper au cas Ouais, où. c'est bon, tout va bien, Vous j'ai avez 8 tout ce qu'il vous chargeurs plus faut? celui qui est dans l'arme. D'accord, vous pouvez monter dans la voiture, hein. Je vais essayer d'avoir le plus Pas de de monde problème. possible. La radio est marquée sur le papier que vous m'avez donné quand je suis arrivé? La Oui, fréquence? sauf que il y a une. Attendez. L'inter-service a changé, monsieur? Il paraît, là, je reçois un petit message là. Hein? Hein? Oui, non, peut-être un peu. À qui vous parlez en fait? À vous-même. Ah d'accord, Voilà, je excusez-moi. voulais savoir si vous avez toutes les radios mises en route. Gendarmerie au Mais dépanneur! attendez, je vais aller voir ça. Je vais juste ressortir le papier de ma poche. 2 secondes. Hein.
Gendarmerie à dépanneur. Dépanneur, j'écoute. Ouais, on a manne jaune pour vous, abonné dans la Pampa au niveau de Frigny, donc en 146. Il est où, monsieur Carbone là? Monsieur Carbone est en train de prendre donc, le donc personne ah, mais là on y va là. Personne dans les alentours, donc on va y aller. Donc vous pouvez l'embarquer. On peut pas l'attendre d'ici. Ça fait un quart d'heure que déjà on essaie de. On essaye d'attendre, il faut quand même aller vite là maintenant. Ah mince, la banque a tant besoin de ça. Ah oui, tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Même à 5 minutes près. Eh ben écoutez, si vous voulez, vous pouvez pas faire partie du lot, hein, c'est pas grave. Hein. Ah non, mais moi je suis présent, c'est mon collègue Max, enfin, c'est dommage quoi. Ah oui, je sais bien, mais on va essayer d'aller le plus vite possible. Hein. Très bien. Ouais, attendez, je me règle sur les fréquences qu'on prend. Attendez, je vais aller vite fait prendre quelqu'un, je reviens. Possible de me redonner les coordonnées parce que je vois pas le sabot sur la. Et hop, on va. Test radio. Ouais, on t'entend. Affirmatif 147-208. Ouais, bah la Pampa aux alentours de Frigny. Hein. Ok, reçu, merci. Ici Murphy, est-ce qu'on me reçoit? Ouais, je te reçois. Oh, ok, parfait. Alors, allez. On va aller là-bas. C'est parti. Salut Mister Poulpe, est-ce que tu veux faire partie ou pas du petit convoi? On est en train de l'orga là. Yo Duki, prends le téléphone. Ça va. Allez. Hop. Est-ce que vous me recevez? Robert? Ouais, je vous reçois. Donc ouais, apparemment la radio interne. Ouais, gendarmerie pour dépannage. Tu parles du petit calepin ouais, ou? La coordonnée exacte, c'est 146, 197. Non, réellement là, je viens d'apprendre ça de la part d'un gendarme. Ok, bien reçu, on va essayer de voir. 197. On va essayer de voir avec eux. Hein. Je venais à votre position pour voir ce qui se passait là, parce que vous répondiez pas. J'arrive. Ouais. Reçu, merci. Pas de problème. Bonjour, monsieur. Hey, chef, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Et toi? Ça va, ça va. Bien pris. Bonjour, par messieurs. Contre, le colonel, on a porté à ma connaissance que les pompiers n'étaient plus sur la fréquence interservice, donc j'aurais demandé de résoudre le problème. Petite question, cas où l'interservice commence par un petit 6. Cas où c'est bien ça. Voilà, donc ouais, bon, ben. Monsieur, s'il vous plaît. Je vais faire un petit test. Test interservice. Vas-y. Dis quand tu le fais. Ah, je suis en train de le faire là. Okay. Test interservice, vous m'entendez? Ouais, je t'entends pas du tout. D'accord, est-ce que. Ouais, est-ce qu'il est actualisé sur le canal global? Le canal hein global, oui, elle a été actualisée après la tempête. D'accord. Bon, ça commence par un 6 et. Si. C'est bien ouais, celle-là? Ouais. Bah ouais, écoutez, c'est celle où j'ai parlé là. Ah, Home Life Security. Là, je t'entends. Voilà. Bon, c'était. Ouais, je vous écoute. On va faire bientôt un petit convoi, messieurs. Hein. Ça serait possible de l'organiser? On a dû vous tenir au courant. On va voir ça avec le colonel directement. On va essayer de voir avec le colonel. Hein. Comme je sais que vous avez une radio rapide, du moins direct, vous dites que dans 10 minutes, c'est possible de faire un petit convoi, ça serait le top.
Ouais, pas de soucis. Ouais, je t'écoute, Murphy. Max Carbon a touché vos Antilles. Apparemment, donc il faudrait me ramener vers. Je vais arriver le plus vite possible. À la Berion de plus. Bon, bah écoutez, via la radio interservice, vous m'envoyez un petit message. Hein. Moi, je vais préparer mes gars et je vais aller sur Mio. Sur. Sur Kabbalah. De vous contacter directement. Si, 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 si. Je lui fais passer le message. Le canal aurait changé, Daniel, mais je pense qu'il va mettre ça à jour. C'est un peu le bazar. Il est à jour, hein, il est à jour. Ça arrête pas sur la radio, donc. Ouais, c'est pareil pour nous, hein, vous inquiétez pas. Mais bon, on s'y retrouve bien, il n'y a pas de soucis nous, de notre côté. Bon, bah écoutez, messieurs, on doit y aller. Comme je vous dis, dans 10 minutes, on se retrouve de toute façon sur Kabbalah. Et pas de soucis. À tout de suite. Évidemment, je suis sur l'ancien. Journée, messieurs. Ouais, bah, je l'ai actualisé, j'ai pas eu le temps de l'actualiser. Hein. J'ai regardé sur le canal TS de la radio. Bon, vous allez bien, hein, monsieur Jack? Ah, mais bah écoutez, moi ça va bien et vous? Ah, ça va bien, ça va bien. Dieu. Oh, par contre, nom de Dieu là en face. Ça doit être un objet qui apprend à conduire ça. Mais c'est qui non. Pour gendarmerie, est-ce que vous, moi, vous savez? J'ai envoyé l'information au pire des cas. J'ai envoyé l'information au pire des cas, Daniel. Hein. Reçu. Du coup, là, je vais prendre tout le monde et de toute façon, rendez-vous au Comico. Normalement, la gendarmerie était prévenue, ils vont faire leur boulot. Hein. Ok, de toute façon, je suis au Comico, j'attends. Est-ce qu'il te faut quelque chose ou pas que je te ramène? Non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Ok, bien reçu, à tout de suite. Bon, qu'est-ce que vous racontez de beau, ce Tyler? Bah, pas grand chose. Cet après-midi, on a fait une petite escorte de convoi, un petit. Mm-hmm. On a dû escorter un Zamak, je crois. Ouais, gendarmerie pour les sécurités, je bien. Des civils très. Ok, bien reçu. Bah, écoutez, nous on prend tout le monde au QG et on arrivera sur. Dans 10 minutes à peu près sur Kabbalah. 5-10 minutes. Hein, pour faire un petit convoi, messieurs. Ah, mais nous on est pas pro, on n'a pas l'effectif. Ah, bah, je sais pas, moi j'ai demandé qui vous passe le message. Je sais pas, nous, il nous a dit qu'il avait pas l'effectif de son côté. Ah, moi on m'a rien dit du tout. Ah, si, nous on a l'effectif, nous là on est 5. Ah, bah, je sais pas, moi il me disait qu'il avait pas l'effectif, que ce serait pas possible en fin de compte. Ah, moi j'ai jamais dit ça, moi. Oh putain. Est-ce que de votre côté vous en avez un minimum ou pas? On sait jamais, nous on se débrouillera avec nos 6 gars. Hein. Moi, ce que je leur ai dit, c'est qu'on n'avait pas l'effectif et qu'à 22h, on l'aurait. Ouais. Non, t'as pu la prise d'otage banque, là, de notre côté. Ah, écoutez, moi, c'était prévu. Après, je sais pas ce que... Si vous me dites non, c'est non, hein. Je comprendrai tout à fait, hein. Tu me laisses... ouais, enfin, je sais même pas. Attends, je vais voir. Je fais une station service et je te rappelle. Bonjour messieurs. Je sais. Qu'est-ce qu'il vous faut du coup bonjour, comme matériel là? Bonjour. Un sac. Un sac encore hein? En fait, regardez. Ouais, c'est mais. Si je peux vous passer l'argent pour. Non, mais vous revenez d'Attira, messieurs, pourtant là. Attira, il y a bien des vendeurs de sacs, non? Ah, non, mais pas des sacs comme vous, monsieur. Ah, et alors, même s'il est visible, c'est pas grave, hein, c'est un sac. Ouais, hein, moi, je reste avec un sac reste un pas. Sac, moi, ça me dérange pas. Hein. Tout, regardez. Bonsoir. Voilà, regardez, monsieur Tyler, regardez, il a une radio qu'on voit, malheureusement. Et bien, écoutez, vous êtes stagiaire, il faut prendre aussi dans le fait que le sac est voyant actuellement. Quand vous serez parti de la Homeline Security, là, je comprendrai que comment ça s'appelle, vous aurez du moins un effectif un peu plus. Bon, sinon, à point de vue matériel, moi je parle d'armes, de. Comment ça s'appelle? De chargeurs. Moi, il me faudrait bandage, moi, et trousse de secours. D'accord. Enfin, premier secours en tout cas. Dites-moi. Un bandage, ce serait pas de refus pour moi, si vous avez.
En cas de problème. D'accord. Alors une trousse de secours, c'est bon. Pour moi, ouais, je prends. Et un bandage. Vous me recevez. Trousse de secours, bandage, c'est bon. Ça lag un peu, moi. C'est vrai qu'il y a un peu de monde sur le serveur. Et ça, si je pourrais avoir un bandage et un... Affirmatif, pompier. Et je sais pas si je pourrais être plus calibré que ça. Sur le braquage en cours. Ça va être pour l'accès d'hier. Bah écoutez, comme j'ai dit, comme je vous ai bien dit, vous êtes en tant que stagiaire, là, actuellement. Bon, Jack, lui, c'était à la nouvelle à l'ancienne réforme. Vous, vous êtes à la nouvelle réforme. Normalement, c'est Zdar. Hein. Après, je comprends pas pourquoi Monsieur Murphy a déjà une arme comme ça dans ses mains. Peut-être parce que j'ai vengé 5 de nos collègues. Ah, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant, moi. Je ne suis pas au courant. Alors, du coup, moi, si on me le dit pas, désolé, hein, j'ai les rapports de stage normalement à faire. On me dit pas, voilà. Oui. Bref, monsieur Califano, hier, nous devions protéger un camion qui devait arriver à l'acheteur de sel. Sauf que des hommes, beaucoup d'armes à main sont venus pour nous abattre. Il restait qu'un seul survivant, c'était moi. J'ai réussi à en abattre 4 et à fuir la zone en sécurité. Ah, oh, bah c'est bien, c'est bien. C'est pour ça que j'ai accès à ce genre de. D'accord, c'est d'accord. Après, si vous voulez que je la repose. Ah non, il n'y a pas de souci, mais bon, je me posais juste la question, vous inquiétez pas. Eh bien voilà, vous avez la réponse. Ok, pas de souci. Salut Guillaume. Le braquage en cours sur Zaro, c'est terminé ou pas? Négatif. Bien compris, on attend votre ordre pour intervenir. Bon, si tout le monde est opérationnel, vous pouvez rentrer dans les voitures. Dans la voiture. Bien. On va partir sur Kavala pour l'instant. Ah, monsieur X. Monsieur X. Ça va et toi? Parce que j'ai une cagoule, c'est ça? Ouais. Ah, tiens, c'est quoi ce Raptor là? C'est Tyler, je crois. Oui, c'est moi. Voilà. Bizarre de le voir dans un Raptor orange, hein. Ah, il est pas mal comme ça le Raptor, je trouve. Ouais, il a une belle gueule. Belle gueule, ça va. Salut Aurel Black, salut à toi. Bon, en espérant qu'ils vont valider notre accord, hein, sur ça. On verra bien. Il est parti faire quoi? Je crois qu'il est allé, il est parti s'alimenter, hein. Il a acheté 4 conneries au bout du coin là-bas. Excusez-moi, monsieur Califano. Oui. J'ai pas de bandage en fait. Juste pour vous informer, regardez, monsieur Tyler, juste en face, il a pris sa voiture personnelle. Il est allé dans une boutique de coin, il est allé acheter. Hein. En fait. Mais je vais vous donner ça. Hein. Après, c'est vrai que peut-être si vous êtes un peu feignant, c'est peut-être normal. C'est pour avoir votre permission, monsieur. Voilà, vous avez 3 bandages à terre normalement. Merci. Bon, bah écoutez, on va prendre du coup 2 voitures. On va prendre 2 voitures, je vous passe les clés. Oh mince, attendez, bougez pas. Voilà. Du coup, on va prendre. Vous prenez cette voiture et vous partez directement. Au commissariat de Kavala, du coup. Ah, d'accord. Nous on va. Bah, vous trois vous pouvez y aller, moi je vais avec Monsieur X. Hein. Oh, moi je vais m'en passager alors. Si je peux vous appeler Monsieur X, hein. Monsieur X. Ah, ça passe bien. Dénigré. Ah, à ce point. Hop là. Tu conduis Artyom? Sans t'offenser, parce que moi, ça, je sais pas, ça la gouille un petit peu. Je sais pas si c'est normal ou quoi. Je retiens, Jack, je retiens. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Le dénigrer, c'est ça? Non. Hein? De toute façon, c'est un stagiaire, hein. Alors, par contre, j'ai remarqué un truc. Il y a un moment, dis-moi. Quand t'as des gros coups de lag, je sais pas si ça fait qu'un mot ou quoi, il suffit d'actualiser ça règle. Ouais. En plein écran, fenêtré, etc. Ouais, moi je suis en fenêtré, moi.
juste recliquer sur le mode dans lequel tu es, ça va l'actualiser et des fois ça me fait, enfin, ça me rafraîchit le jeu et ça va mieux. T'as remarqué ça? T'en verras bien. Ah ouais, ouais, oui, ça, c'est beaucoup plus fluide d'un coup. Ouais, ça rafraîchit, on dirait le. Ouais, c'est beaucoup plus fluide d'un coup là. Je sais pas, hein, je sais pas si c'est une. Bah attends, je vais te dire. Quoi, mais... Là par exemple, tu vois, je suis à 20 FPS et genre, c'était quand? C'était hier. Bah moi, je suis à 20 en stream, moi, en général. Voilà. Je sais pas pourquoi hier, d'un coup, mon jeu, et je le disais devant vous, j'étais là, putain, les gars, ça va pas, il y a un truc qui bug. Je me suis TP hyper loin pour voir si c'était le fait d'avoir les véhicules autour de soi, etc. TP? Non. Ouais, mais des fois, je fais ça pour. C'est quoi TP? Vous faites des travaux publics, non, c'est ça? Ah, d'accord. Ouais, parce que bon, c'est jamais, hein. Oui, non, mais c'est vrai que d'un côté, je veux pas dire, mais bon, Arma quand même est très très mal optimisé. Hein. En plus, bon, les effets quand même, les nouveaux véhicules actuellement sur le serveur, hein, en point de vue mode, hein, je veux le dire franchement, ça enlève quand même pas mal de FPS. Hein. Non, c'est ça. Au début, quand je jouais à Arma, je te rends compte que j'étais en ultra, voire très élevé, hein, sur les serveurs. Hein, sans mode, il y avait pas de mode, il y avait rien. Maintenant, bon, il y a ma carte aussi, elle a pris une gifle, hein, depuis 3 ans. Voilà, maintenant je suis en élevé. Hein. Moi, je suis en standard. je suis à ce stade-là, moi. Comment on fait pour la fond? Standard et texture haute. Ouais, bah après je sais pas comment le mettre. Bon, pour l'instant je laisse en élevé, ça me fait chier de descendre en standard. Daniel pour Robert. On est sur la route là, on arrive. Bon, hein. Oh, sinon à part ça, j'ai vu qu'il y a un nouveau concessionnaire de camion qui est sorti. Le nouveau camion qui est arrivé, ouais. C'est dommage que le derrière soit factice. Hein. Ouais, ça serait cool de mettre une bagnole dedans. Je savais pas qu'il allait faire ça en fait. Parce que j'ai vu l'avancement du projet et j'étais là en mode oh, c'est sympa. Puis d'un coup là je vois la photo avec ça, je suis là oh non, il a quand même pas fait ça. C'est qui a fait tout ça là? C'est comme d'hab. C'est un camion américain fait par un américain. Par un américain? Mm-hmm. Ah, pas mal, pas mal. Ça traîne devant, c'est Jackie Candy? Négatif, c'est Murphy, sauf que le véhicule est un petit peu endommagé à mon avis, donc je peux pas dépasser les 98 km/h en fait. Il marchait très bien, il marchait très bien. Pourquoi directement? Il marchait très bien le véhicule. Parce que t'es dans la voiture de devant. Et on te connaît. Attendez-nous là si vous voulez. Hein. Non, c'est vrai, si c'est toi qui conduisais, tu serais même pas arrivé jusqu'ici. Et bam! Tu veux pas mettre un coup de frein à main là tout à coup? Eh, je t'entends! Non, j'ai pas mis de frein à main. Eh, je t'entends, Jack! Merde! Avec, c'est génial, on peut se parler entre les voitures. Même plus besoin de radio. Ah bah, vous entendez pas le dénigré qui parle derrière? Ah là, je t'entends, ouais. Tu vas fermer ta gueule devant, on t'entend. Dénigré, va. Ah, conseil chuchoté quand t'es dans les voitures. C'est pas moi qui ai dit. Alors, ça c'est bon. Daniel est déjà cavale. Ouais. Ouais, mais tu regarderas, je t'ai envoyé un petit message. Ouais, je regarderai quand ça arrive. Ouais, non, mais c'est quand je suis allé sur le site, tu verras. Je trouve qu'il est plus joli comme ça.
Hop là. Fréquence de la... Attends. Il vaut combien le Camtar du coup? Aucune idée. Surtout qu'il y a eu la refonte des prix des véhicules. Ouais, 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 il paraît. Là, ouais. Je suis perdu, pied perdu. Aïe, 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 aïe. Ah merde, elle repart alors, Yamen, en fait. C'est toi qui l'as mis, non? Ah non, c'est... C'est la voiture? Le pompier, on écoute. Ah ouais, c'était en haut-parleur. Le pompier Azaros, vous emmenez mes gars. J'ai mis ou... la radio arrière en haut-parleur. C'est pas avec moi que voir ça, je suis actuellement sur Kavala, donc je vais voir avec mes collègues. Ah, ok, merci. Comme la sécurité pour colonel, on attend vos ordres hein, pour tout ce qui est convoi. Hein. Ah, actuellement, la sécurité, je préfère être franc, ça va pas être possible. J'ai beaucoup trop d'hommes. J'ai beaucoup trop d'hommes pris. J'ai aucune psy disponible. Actuellement, la seule chose disponible que j'ai, c'est deux personnes. Oh, ouais, bon. Bah écoutez, bien reçu. Merci. Au pire des cas, je vous recontacte un petit peu plus tard dans la soirée si jamais ça se libère, mais là, c'est chaud. Ok, bien reçu. Robert, tu peux lui dire qu'à 8 ça le fait tranquille parce que je suis là. Hein. T'as pas de zaphir, gamin. Tu sais pas et je te dis que personnellement, si tu veux, on le fait, mais si c'est pour perdre tout, ça va vite. Hein. C'est pas grave. Et personnellement, si tu veux, on le fait, hein, Jack, mais si c'est pour tout perdre, ça va aller vite. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut prendre, hein, parce que toi, tu voyais de l'autre côté. Hein. Et dis-toi que nous, on se prend les quatre familles. Hein. Voire peut-être plus. Didier, pour Robert. Didier, pour Robert, est-ce que tu me reçois? Il est à côté de moi. Pas Didier, putain, Daniel. Oui, je sors ça. Bah t'es à côté de moi, là. Bon. Bah oui. Un prospecteur, Nathana. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On a deux possibilités. Attends, on va se mettre en... On va parler doucement, là, hein, parce que on sait jamais. Hein. Bon, on a deux possibilités, messieurs. Voilà. Est-ce que... Voilà, oui, bah apparemment, ouais. Alors, est-ce que on fait ce qu'on voit, hein, sachant qu'on assure nous-mêmes notre protection avec les deux gendarmes, qui est personnellement une décision quand même assez délicate, hein, parce que là, on aura quand même à peu près, allez, je vais vous dire 12 millions à peu près dans le camion. 12 millions ? Voilà, tout à fait, ouais. Comment ça, 12 millions? Non, mais dans l'oreillette, il y a que 3 rebelles hein, réveillés sur l'île. D'accord. Ouais, ça peut le faire. Hein. Moi, je pense voilà, que y a... ça oui, faire. Oui, monsieur Tyler, on a changé de banque hein, maintenant. On est dans vraiment la banque fédérale. Maintenant, il y aura 12 millions, oui. Ah oui, 12 millions, c'est un petit peu quand même. Oui, oui, okay, oui. Et on me dit aussi avant, il y avait que 450 000. Ils font la sieste aussi. Attends, 12 millions, non, 12 lingots. Oui, mais 12 lingots. Ah oui, pardon. 12 lingots. Ouais, mais bon. Non, non, 12 lingots, oui. 12 lingots, ça fait. Ça fait. Oui. Moi, je pense que c'est faisable vu la population de l'île. Enfin, la qualité de la population. Regardez les statistiques en ligne, c'est ça. Ouais, et. Oui, oui, c'est ça. Et du coup. Les criminels, ils sont absents là de l'île. On se fait du. Criminels déclarés. On se fait du. Un camion, du moins. Deux fourgons, un camion. Deux jeeps et un fourgon, pardon. Désolé, c'est le soir, j'ai travaillé un peu là. Ouais, on est assez pour un deuxième fourgon, non? Tu veux faire deux fourgons et... Deux jeeps. Ouais, mais par contre, il y aura la frontière à tenir. Hein. Il y aura la frontière. Hein. Bon, allez, j'annonce la nouvelle au... Mais est-ce qu'on pourrait pas demander juste aux gendarmes de tenir la frontière et nous on s'occupe du reste et du trajet? On verra bien, écoutez, on verra. Attendez, on je vais voir. Trajet, gendarmerie pour Homeland Security. C'est la route principale, on peut prendre la petite route aussi. On voit que ça merde, on peut éviter éventuellement décaler le convoi. Tout à fait, ouais. Gendarmerie pour Homeland Security. Que vous me recevez.
Homeland Security pour gendarmerie, est-ce que vous me recevez? Est-ce qu'il y en a un qui peut arrêter son haut-parleur s'il vous plaît? On a pris l'initiative, on s'est concerté. Le colonel a dit qu'il y avait que deux agents peut-être disponibles pour nous. On aimerait bien tenter notre chance. Est-ce que c'est possible que ces deux agents se tiendraient uniquement à la frontière pour nous donner des affirmations? Le problème c'est que même ces deux agents là sont actuellement au niveau de l'acheteur d'argent. Parce que nous on est 8, on a vu les statistiques de l'île actuellement là. On a envie de tenter ça. Bah écoutez, ça va être très simple. Je te dis, t'es péril, mais le problème là c'est que même mes deux hommes de Kavala sont pris, donc j'ai vraiment, ouais, vraiment plus rien. Écoute, on va faire et on verra bien. Allez, écoute, dès qu'on est disponible, on raballe vers vous, mais je te promets pas d'être là dans les 5 minutes. Ok, bien reçu, on verra bien. Est-ce que tu peux nous envoyer quelqu'un quand même pour le puçage? Trop tard. Ouais, c'est trop tard. Bon allez, tout le monde de gendarmerie, let's go. Passez au comico de Kavala, de toute façon GIGN est en train de faire un OPJ à Kavala, donc ce sera bon. Ok, bien reçu, ben là on est à 500 mètres du commissariat. C'est bon, je vous envoie quelqu'un à la porte. Ok les gars, alors du coup on va garder les deux premières jeeps, d'accord? La troisième jeep, elle rentre. On va sortir deux fourgons, conducteur du fourgon, ça sera Monsieur Carbone et Monsieur Jack Taylor. Oui. Moi et Daniel, nous allons rester derrière. Murphy, toi tu seras dans la première jeep devant tout seul. Bien reçu? Reçu. Pour information, Monsieur Taylor, c'est vous qui avez le pognon. Oh yeah. Vérifiez bien que tous les véhicules aient du moins de l'essence. Hein. Califano, est-ce que vous êtes... De quoi? Est-ce que je pourrais savoir où vous êtes? Pourquoi faire? Parce qu'en fait on a un jeep là qui est un peu abîmé, il va pas sa vitesse maximale. Ouais, c'est celui qui est là en fait. Ouais ouais. Ben la jeep on la répare hein. C'est bon, c'est en réparation. C'est Califano, vous avez demandé quelqu'un pour la puce, il y a quelqu'un. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez vite fait mettre de l'essence dedans, Monsieur Carbone? Là, il y a la station, elle est juste en face. Hein. Ouais, ouais. Bon, Monsieur le gendarme, bonjour. Robert Califano. On va se mettre tous en rang, on va déjà se donner les clés. Hein, d'accord. Hein? Oh, merde. Ah pardon, ouais, désolé. Voilà, monsieur le gendarme, voilà, vous allez tous nous pucer, on va se donner après tout, du moins tous les clés, et après on va démarrer le convoi. Hein. Y a pas de souci. Ah pardon, madame, désolé. Hein. Vous avez pas reconnu avec le casque. Hein. Aïe, c'est normal, ouais. Bon, ouais. Je commence par vous, monsieur. D'accord. Peut-être que le Jack serait intéressé. Non, ça va piquer un peu. Hein. Allez-y, dépucelez-moi. Non. C'est un stagiaire. Voilà. Merci bien. Allez, allez. Ah, c'était trop tentant, chef, désolé. Mais bah va falloir se calmer hein. Non, la prochaine fois je demanderai au colonel qui vienne vous mettre Ah, y'a pas de soucis moi, le colonel là qui vient de la puce, hein, y'a pas de problème hein. Moi j'appellerai monsieur Despotier si vous voulez. Ah lui il viendra prendre la puce mais juste par derrière, c'est tout. Vous me comprenez, madame. Bon. Allez. Ouais, on va faire tourner les clés. C'est bon. Attendez, vous avez peut-être celui-là qui conduit là encore. Ouais. Ah, pas le voilà. Sur le fait de tourner quelque chose. Hop. Moi, je fais tourner les clés. C'est parti. Moi, je vais faire tourner les serviettes. Voilà. Voilà. Après, c'est qui l'a le bon courage. Au revoir.
Au revoir. Merci. En espérant que je vous ai donné le bon, puisque maintenant j'ai deux porte-clés. C'est qui a pas eu les clés du Brinks là? Moi j'ai eu, je suis devant vous, chef. Ouais, parce que là il y en a plein. Putain, ça. Il y a mes yeux qui fatiguent là. C'est bon? Négatif, moi j'ai pas. J'ai toujours. Oh, attendez. Qui a les clés du Brinks? Merci, je les ai eues. Moi j'ai rien du tout. Bah, donne-les-moi. Donne-les-moi. Impression d'être invisible. Merci. C'est bon, bien. Vous avez les deux là? J'ai les deux, ouais. D'accord. Je vais regarder. Est-ce que tout le monde a bien les deux paires de clés de Brinks? Moi j'en ai qu'un. Hein? T'as que la tienne, toi? Oui. J'ai que le AW623XX. Et toi, Daniel? Que le mien. Ouais, le tien, c'est lequel? Le AW ou le FN? Le FN, FN, à tous les coups, à ça, j'en étais sûr. Moi, j'ai les clés du FN et j'ai le AW. C'est bon, j'ai reçu. Ok, là, il faut du FN, là. Qui c'est qui est venu FN? Et il faudrait que j'ai besoin de FN. Moi, je veux ma dose de FN. J'ai besoin de jouer avec AW, moi. J'ai des jeeps. Je crois qu'il lui manque les clés d'une Jeep. Je sais pas c'est lequel. Merci. Il manque une clé de Jeep. Dis-moi là, quel que t'as. J'ai la SQ là. Moi aussi, il me manque la CJ. Il manque une Jeep. Merci. Moi aussi, il m'en manque une, je crois, de Jeep. J'ai la SQ là. Attends, bien, je vais te donner. Corbett va me la passer. Oh, j'ai c'est bon. Ah, oh, oh, purée. Ouais. Artyom, tu vas rentrer où toi? Bon. Rentrer où? Dans quel véhicule? Nous on sera tous les deux derrière avec Daniel. Toi Artyom, si tu veux rentrer dans un Brinks au cas où. Hein, tu rentreras dans un Brinks. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Oh, ça fait du monde. Ah oui. Bon par contre messieurs, quand on sera dans les convois. Bonjour monsieur Sergueï, vous allez bien? Vous. Ça va, ça va. Bon, comme je le dis bien, là actuellement nous parlons normalement. Hein. Dès qu'on est dans les véhicules, par contre, c'est on chuchote, s'il vous plaît, messieurs. Et on reste en radio. Déjà. Ok, du coup, je veux tout le monde dans les véhicules. Jack, tu me suis, toi, ouais. Par contre, si tu peux conduire, Daniel, ça m'avantagerait. Jack, tu me suis avec le camion pour l'instant. Reçu. Ouais, tu viens ici, Jack, avec ton camion. Oh, ça va être chaud. Quelle est la vitesse maximale d'un Brinks? 82. Ok, merci. Par contre... Non, c'est 95. Ah oui, pardon. Par contre, fais gaffe, hein, Jack. Hein. Quand ça va tirer, là, hein, quand ça va tirer, ouais. On sait jamais. Si tu sors de ton véhicule et que tu rentres, regarde-toi en première personne. Ça va être magnifique dans le camion. Je t'invite à regarder. Ah ouais, attends, j'ai look. Bon, du coup, Alex, tu avances avec la Jeep. Tu avances avec la Jeep déjà. On va mettre le... Comment ça s'appelle? Le fourgon vide en première tête, le fourgon plein en deuxième tête et nous derrière. Ok. Qualifie nous pour carbone, j'ai besoin d'aller mettre de l'essence, je peux aller tout de suite. Ah oui, tout de suite. Avant qu'on remplisse là. L'essence pour le trajet en carbone. Oui, mais je préfère qu'il soit plein. T'auras assez d'essence pour le trajet, t'inquiète pas. Ah si l'adjoint dit, c'est bon. Il y a trois quarts de son plein. Ouais, on aimerait bien. Ah bah y'a quand même beaucoup de gendarmes. Écoutez messieurs, là c'est notre rue réservée, vous avez aussi un à l'intérieur aussi hein, pour les véhicules. Hein. Par contre Robert, ah bon d'accord. On a aucun bruit ça moi. À l'intérieur okay. C'est le concessionnaire. Ah d'accord, d'accord. Bon mais écoutez, on va bouger, hein. On a le temps de rentrer les lingots monsieur, ça prend du temps. Hein. Il en manque un là non, Robert? Allez monte. Il est où monsieur? Qu'est-ce qu'il y a Artyom? Ou Cage? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a Artyom? Le Daniel là.
Ah ouais, je suis là, mais tu m'as dit d'aller dans un Brinks, mais pourtant les deux sont déjà pris, hein. Ouais, non, mais d'aller dans un Brinks sans passager. Ah, ok, c'est ça. Ah, bim, on s'en occupe. Bon, bah écoutez, démarrage du convoi pour notre cargo. Jack, t'es dans le premier ou le deuxième? Allez, c'est parti. Jack, il est dans le deuxième. Parfait, je suis Jack. Ok, on s'arrête pas, les gars, on s'arrête pas, hein. Et comme je dis à chaque fois, on tire pour tuer, messieurs, pour tuer. Parce que tuer, c'est la santé. Allez. C'est parti. Attention, Veneno, au milieu du convoi. Attention, véhicule qui arrive. Ordre pour les Brinks, on ne s'arrête pas, messieurs. Ordre pour les Brinks, on ne s'arrête pas. Ah si. J'ai entendu le pick-up qui s'excite. Idem. Hein. On ferme bien les portes par contre. Hein. Je rappelle à tout le monde de chuchoter quand vous êtes dans les véhicules aussi. On a bien vu ce que ça donnait. La mégane ralentit. On ne s'arrête pas. Et si vous faites tirer dessus, vous faites des gauches et droites, hein. Zigzag, messieurs. Si au cas où il y a un barrage, vous partez sur la gauche ou la droite directement. Je vais être informé directement dans la radio. Hein. Homeland Security pour la gendarmerie, juste pour vous prévenir, hein, on a démarré le convoi. Hein. Les pompiers pour la gendarmerie, vous me recevez? Bon, alors là ça va être dur. Évidemment, voiture de tête, moindre signe suspect, tu me dis quoi hein? Pas de problème. Il y a un barrage juste devant. On contourne. Non, c'est juste un véhicule cassé. Attention aux infos, les gars. Hein. Barrage et véhicule cassé, c'est pas pareil. Hein. Oui, mais de loin, on dirait un barrage. Et il faut être sûr qu'on dit quelque chose. Très bien, désolé. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Daniel? Ça va passer ou pas? Ça peut passer. Les hitman sont occupés actuellement. Ouais, j'ai vu ça. Robert, c'était quand même risqué hein, de mettre le Brinks avec le Roman de Tailleur là. Bah écoute, il voulait de l'action. Chut. Ah là, il est en train de me dire qu'il hésite à se barrer avec l'or. Hein. Ah, s'il fait ça, écoute, personnellement, je vais enlever l'or dans le cul. Personnellement, s'il si fait ça, y a pas de souci, je lui enlève l'or dans le cul. C'est pour ça que tu me parles avec lui, c'est pour le surveiller. Pompier. Ah, ok. Il sait pas combien il y a dedans, hein, ça se voit. Hein. Ou c'est Homelife Security sur les lieux à un niveau d'Atira, non? Négatif. Si vous avez des informations sur la route de Kavala à Atira, je suis preneur. Hein. Là, actuellement, nous faisons un convoi, nous sommes sur route. Hein. Niveau d'Atira. Pour l'instant, on a des tirs sur Atira, donc ne pas y aller tout de suite. Ok, bien reçu, on prend en compte vos commentaires. On passe pas par Atira de toute façon. Bah, je pense que ça peut passer, Robert. Ouais, ça peut passer, on les a pris de course, c'est pour ça, on verra bien. Après, faut voir si les recrues vont paniquer ou pas. On verra bien. Attention les gars, là, vous êtes un peu trop près les deux camtars là. Reculez un peu là, hein. Je veux avoir un peu plus d'écart hein, entre les deux camions. Devant à quelques petits retards. Et un petit peu de Maginot aussi. D'accord, par contre la Jeep devant, si elle peut prendre un petit peu plus d'avance, au moins elle éviterait au cas où elle nous donnerait les renseignements. Pas de problème, j'avance. Pas trop quand même, hein. Si au cas où il y a souci, tu peux faire demi-tour. Hein. Bon, d'accord, l'écart devrait être correct. Dépanneur, appel gendarmerie, s'il vous plaît. Ou Home Life, ou pompier, je sais pas. Je vous écoute, désolé, nous sommes en convoi là. Ah,
Ah, désolé du dérangement, c'était pour éviter de... Lamborghini derrière nous. C'était pour éviter de se mettre en plein milieu de votre convoi, vous êtes où à peu près? Actuellement, nous sommes au niveau de la BRI. Lamborghini dans le convoi, monsieur. Je répète, on ne s'arrête pas, hein. Info Lamborghini s'il vous plaît devant, est-ce que vous avez un visu? Lamborghini va vers la Jeep. Ok, bien reçu. Jeep, c'est au cas où elle passe à côté, tu me la dégages. Hein. Faut qu'elle dégage de là. Elle, hein. Elle m'a dépassé, elle est partie. Ok, bien reçu. Parce que là, la bon. Security pour gendarmerie, là nous arrivons au niveau de la BRI, où on va arriver vers la frontière en espérant que tout soit clair. Hein. Du coup, là on arrive vers la frontière, moi ce que je veux... Security, ouais, je vous reçois. Vous avez besoin d'un éclairage en hélicoptère ou pas? Ah, ça serait pas de refus, hein. Là il n'y a pas de souci, moi. Bah, j'arrive en sécurité civile. Ok, bien reçu, là on est au niveau si vous voulez, du traitement de verre à peu près, hein. D'accord, bien reçu, bah j'arrive avec Orca Sécurité. Sans problème de magie noire. Oh, la magie noire de fou! Allez, allez, on continue, y'a rien eu, y'a pas eu de casse, go. C'est go, moi qui continue, y'a pas eu de casse. Je ne sais pas, hein. Je suis en haut-parleur, moi. Bah, j'entends des échos, ça doit être moi. C'est la Jeep, peut-être. Ah, peut-être c'est la Jeep, ouais. Ah, c'est la Jeep, ouais, peut-être. Regarde, regarde au cas où la Jeep. On s'arrête pas, mais on ralentit quand même un peu, là. Ouais, ouais, mais y'a pas de souci. Bon, ça, les deux fourgons. Le véhicule arrêté au bord de la route. Barrage, en comptant par la droite. Allez, droite. Les deux brings, s'il vous plaît. Un à gauche, un à droite. Hein. Tout le monde à droite. Go, on s'arrête pas. Ok, convoi pour gendarmerie, apparemment on a un barrage sur le pont. Allez messieurs. Par contre, on va finir par perdre le brings de tête, hein. Magie noire à l'approche du pont. Ça prévient du danger. Allez, on vous suit, nous. Pour le convoi. Ouais, je vous reçois, on contourne sur la droite, là, il y avait un barrage. Hein. Compris, si jamais frontière, il y a deux camions arrêtés. Ils bloquent la route ou pas? On continue, monsieur. Zigzag. Je les ai juste vus de loin. Zigzag, messieurs. Allez. Barrière pour pouvoir passer. Allez, on passe le truc. Et on y go. Ok, bien reçu. Security, vous êtes où, la position du convoi exact? On va passer devant l'acheteur de cartes. On a contact Ifrit avec fumigène. On est au niveau de l'acheteur de cartes, hein, Ifrit, Ifrit sur place. Hein. Ouais, douane pour les autres patrouilles qui sont sur le convoi, les gars, il y a de nombreuses activités au niveau de la frontière, hein, qui se dirigent vers vous au niveau du convoi, donc attention. Ok, bien reçu, on s'est fait percuter, messieurs. Véhicule blanc, c'était le tourisme qui essayait de m'arrêter. État des lieux, première Jeep. Ifrit au niveau du premier brings, il me suit. Ok, il a pas le droit normalement de te taper, il va essayer de te couper la route, mais... On voit, on a des gros tirs sur Atira, donc faut éviter de passer par là. Bien reçu, on va pas passer. Allez, on continue, on s'arrête pas, messieurs. Alors lui, s'il nous tape, lui, je le défonce. Nickel, pour l'instant, tout va bien, allez. On avance. Messieurs, on rentrera direction Banque Fédérale, hein. Vous prenez la rentrée, vous allez directement à droite. Sécurité civile, pourquoi vous en êtes là? Ok, on arrive au niveau de la frontière, messieurs, Barrière de la... Ok, c'est la première voiture à ouvrir, messieurs. Ça tire. C'est bon, on va nous ouvrir, la gendarmerie nous ouvre. Ok, bien reçu, un homme à terre. Reçu. Allez, les convois là, s'il vous plaît, go, convois derrière là. La gendarmerie protège la frontière. Le Brinks est à terre. C'est le Brinks, le Brinks endommagé, c'est le Brinks plein, attention. Ok, bien reçu, Jack, nouveau sur le Brinks, s'il te plaît. Jack, tu me reçois ou pas? Ouais. Dégagé, je pense qu'il a été à terre.
putain, ça lag en plus. Artyom, Jack, vous me recevez? Hélicoptère non identifié en train d'arriver sur la frontière. Salut le cochon, salut. Alex et Max, on a besoin de vous pour récupérer le Brinks. Reçu, j'arrive. Pompiers au convoi, il y a deux véhicules qui arrivent sur zone. Robert, un véhicule derrière toi. Ouais, oh putain, d'accord. La frontière. Ça lag. Ça lag sévère. Purée. On va mettre ça en standard, hein, c'est pas grave. En espérant qu'on va pas se faire buter. Le temps que ça switch. Allez. Colonel gendarmerie pour dépanneur. Allez, putain. Voilà. Colonel gendarmerie pour dépanneur. Daniel, t'as des infos? Murphy à terre, je répète, Murphy à terre. Je t'ai mis des points sur la carte, y'a des hommes là. Putain, mais ça lag là! Putain, mais merde! Sécurité civile à Home Life Security. Ah oh là là là, il. Le Brinks se casse, hein. Je prends en chasse, mais je suis avec le Brinks, quoi. Ils sont en train de se barrer. Et il est parti en quelle direction là? J'y vais direct. Il est sur ma position le Brinks, il est dans les hangars de l'aéroport. Le Brinks lequel? Les deux, j'ai là le second, mais le rempli est dans l'hangar, caché. Ah, je suis mort. Je repars. Ah, fait chier. Merde, putain. Merde. Max, faut que t'essayes de récupérer le Brinks. Ah si, j'essaie de l'immobiliser, mais il est reparti. Ah, fait chier. T'es pas loin là, j'avais pris le camion là, je l'avais vu partir, c'est pour ça que... Putain. Aïe. Ouais, mais bon. Pas grave. Il y avait quand même respect, ouais, non, mais bon. J'ai vu partir, moi, là, sur le côté, je croyais que c'était. Voilà. Ouais. Mais bon.
C'est pas grave. Moi aussi, je suis mort comme une merde. J'ai vu le camion, j'ai pris la voiture, j'ai essayé de bouger un peu pour dire, mais... C'est que dalle. Je me suis pris une balle, mais j'ai même pas entendu. J'ai même pas entendu. Mais bon. Salut, monsieur le cochon. Ça va bien? Pas compris, répétez. Je sais pas qui c'est qui a le convoi. On verra bien. C'était un peu délicat, on l'avait dit de toute façon. On l'avait dit. C'est assez délicat. Mais bon, c'est les risques d'un convoi d'or. En plus, on le savait, il n'y avait pas de gendarmes, il n'y avait rien. Alors du coup, voilà. Hein. Voilà. Hein. On n'y peut rien. Il y avait du monde hein, quand même, hein. L'Ifrit, je crois que c'était les nefs, il y avait les hits aussi. Mais bon. Ah, il y a un monsieur mort là. Ah, monsieur, est-ce que vous avez à l'embarquer dans mon véhicule? Un course est jeté sur mon Brinks, sa voiture a pété sur l'aéroport, je poursuis Brinks toujours. Monsieur, je passe pas par ici, hein. Je vois plein de personnes. C'est une gunfight, monsieur. Ah, d'accord. C'est pourquoi? Aïe! Pas du tout, il y a eu un convoi, mais je sais pas. Aïe! Bah, vous inquiétez pas, monsieur. Aïe, j'ai mal. Je vous extrais de la zone. J'ai mal. Bah, vous inquiétez pas, j'ai pu vous extraire. Alors l'écran il est noir, mais on y voit un tout petit peu à travers, c'est un nouvel écran, c'est pas pareil que d'habitude. Suicide à les pompiers, d'annuler les demandes, ouais. Ah, vous pouvez me... Allez, je saigne partout. Ça coule partout. Vous êtes bien en tant que... Allez. Attendez, ne bougez pas. La scène de partout. On a bonjour, des gens à réanimer. Ouais, pas de soucis, j'ai aussi embarqué le caméraman qui a été blessé. Hop. Allez immédiatement, monsieur, s'il vous plaît. Je dois juste stabiliser une personne et après je suis à vous, je vous le ramène tout de suite. Juste monsieur l'homme, la security, j'espère que vous ne nous tirez pas dessus. Hein. Non, pourquoi je vous tirais dessus? Il est surtout là pour faire un reportage, monsieur. Non, là je suis pas là pour faire un reportage, mais rien du tout, vous inquiétez. Je prends la peine de prendre les armes. Mais il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, monsieur, je suis pas là pour ça, moi. Hein. Je vais être soigné déjà, hein. C'est le principal. Alors, monsieur. Je vois rien. Ce qu'on va faire, c'est que les messieurs de la Monnaie Security, vous allez attendre un peu. Ah, je vais mourir. Ah non. Bah, je vous demanderai juste de vous écarter un poil, monsieur. Juste histoire. De toute façon. Que, je fasse pas une transfusion sur vous. J'ai toujours le bring sans visuel. Négatif, il y en a. J'ai sûr que c'était un caméraman, parce qu'il a quand même 24 ce caméraman. Hein. Bah, généralement, c'est un caméraman, parce qu'il avait une caméra d'habitude. Il est dans la zone de Monsieur le médic, est-ce que vous auriez. C'est qui a autour de moi là? J'entends des voix, je vois plus rien. Votre collègue. Merci. C'est quoi avec la dans un hangar au sud de l'aéroport? C'est gentil. Ah, moi aussi je suis gentil, vous inquiétez pas, je veux pas savoir, moi je vais... Il n'y en avait pas un deuxième? J'en ai embarqué un deuxième. J'ai pas... Alors ça... On a du boulot derrière les gars. Non, il y a personne dedans. La conversation ou pas... ok, bon, ça va sinon, tu as vu ma conversation ou pas que j'ai créée ou pas? Où ça la converse? Dis-moi la converse. Chez nous, il n'y a plus... Dis-moi la converse parce que... C'est quoi que ce sont barrés lui aussi? Mais tu viens, collègue? J'ai plus qu'à viser son Brinks. J'ai fait inventaire, je suis con. Aïe.
Aïe. Briggs, à 1,8 km de ta position. Ah si, ouais, il s'est barré avec son collègue. Non, il est à 800 mètres. Olaf, tu fous quoi, gros? 100 mètres. Approche. Ah, mais où est le camion qui était à côté du pont? Quoi? Voilà, monsieur. Ah, y'a pas de soucis, je le faisais aussi, mais comme il vous a déplacé, ça a pas fonctionné. Occupé de votre collègue. 100 mètres. Finalement, on n'est pas avec une caméra aujourd'hui. Ah non, je suis chef de la Homeland Security, monsieur. 160. Oh, pardon. C'est bien vous qui êtes caméra. Je m'occupe des deux, oui. Ah, il me semblait bien. Ah. Bon. 1024. Aïe. Ici, je vais en direction de l'acheteur. Oula, ouh, je vois tout. Collègue. Je sais pas trop. Ouais, ça va. Bah, ça va et vous? Bah, petite. C'était bah, dur, hein. Torse, ça fait toujours un petit peu mal, mais. Ouais, moi, c'est pareil, je l'ai pris dans les fesses, moi. Et voilà, messieurs. Ah, oui, c'est douloureux, ça, par contre. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, monsieur le pompier. Par contre, messieurs, vous avez reçu le message de la gendarmerie? Oui, 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 j'ai bien reçu ça. Je vais regarder sur mes papiers. Ouais, pareil, je vais regarder sur mes papiers. Ah, bon, non, mais ça. Putain. Security Interservice. Vous arrêtez le mauvais brink. Interservice a été changé, messieurs. Interservice a été changé, messieurs. Annonce gendarmerie. Oui, j'ai reçu le même message. J'ai ça tout de suite. Vous mettez ça à jour. Le brick, c'est toujours à l'aéroport. De quoi? Vous mettez ça à jour ou pas encore? Là, je vais, ben, je vais regarder vite fait. Je vais vous dire. Ok, ça marche. Par contre, messieurs, faut que je vous laisse. Je vais trop t'avancer. Il en est où l'event? Enfin, excusez-moi, où il en est le convoi? Ouais, mis à jour. Mis à jour. Est-il possible de reprendre ses activités sans se faire tirer dessus ou pas? Super. Alors, attendez, hop là, on va faire ça. Je vous remercie. Voilà. Allez, c'est bon. Hop. Bon, ce qui est con, c'est qu'on n'a pas de véhicule, nous, là. On n'a pas de véhicule, nous, là, monsieur. On a un petit souci, là. Ouais, on a un peu abandonné, là. Ouais. Bon, mais de la chance. Je crois que les rebelles qui nous ont abattus nous ont aidés, donc... Ouais, c'est ce que j'ai bien pu comprendre, ouais. Et apparemment, ce que j'ai bien pu comprendre. Ah, moi aussi, la voix m'était familière. Ouais, moi aussi, mais je les connais bon. Pas. Ouais. J'ai volé une voiture à eux, là. Pour essayer de repartir derrière le Briggs, ouais. Ah mince. Les gendarmeries pour la sécurité. Ah bah non, ça fait foncer. Ouais, je vous reçois. Donald Kane, ouais. Est-ce que vous confirmez qu'un certain Max Carbone fait partie de votre service? Bien reçu, je confirme. Merci. Je confirme, monsieur. Je parle à Briggs, il pense que je ne sais pas le secrétaire. C'est bon, c'est bon. Ok, merci Stéphane. Du coup, moi je vais faire dodo. Ah, bon, bah écoutez, moi je vous dis bonne journée. Moi je vais essayer de voir si je peux récupérer quelque chose. 730. Et vers le sud de l'aéroport. Bon. Ah, ça fait même pas une heure, hein. Du coup, moi je déconnecte. 500 mètres de sa position, il doit être dans le papyrus au sud de l'aéroport, le Briggs. Salut tout le monde. À l'hôpital. Reçu. Quoi? Bah tiens. 322. Merci quand même, politesse. Ouais, gendarmerie pour la sécurité encore une fois. Il y a juste écrit retourner et bon, je vais retourner déjà peut-être. Que ça... 195. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous savez si vous avez des Briggs qui ont été volés ou pas?
Oui, affirmatif, hein. Il y a mes gars qui sont derrière, apparemment. Ils sont 8 mètres, il est en face. Quand vous dites les gars, est-ce que Daniel Cade, il est derrière? Je sais pas, attendez, je vais prendre rendez-vous. Dans les LR. Daniel, t'es derrière ou pas? 71 mètres. Daniel, t'es derrière ou pas? Ouais, ils arrivent, il m'a dit. Daniel. 18 mètres. Il a 18 mètres, apparemment. Excusez-moi. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez... Il a 18 mètres. Est-ce que vous pouvez essayer de sortir mon collègue du véhicule, s'il vous plaît? Je n'ai pas accès, si vous voulez, à la sortie de véhicule, monsieur. Là, on me l'a dit security, faire... je suis pas gendarme. Juste ça, non, mais juste faire le... Ok, on va aller sur votre collègue Skade pour l'aider à retrouver le Brinks. Vous voulez que je fasse quoi? Pour cette réforme. Ah, on sait jamais, oui. Je l'ai, il est temps, moi. Messieurs, j'en ai récupéré le Brinks, j'ai les lingots. Vous y arrivez ou pas, du coup? Je peux pas, monsieur. Signale. Ok, bien reçu, ouais, je signale. Ok, lingot récupéré, messieurs, lingot récupéré, hein, par mon collègue. Hey, monsieur, attends, appelle-le. Écoutez, monsieur, j'ai pas trop le temps, là, actuellement, monsieur, là. Non, il vous appelle, oui. Monsieur, il vous appelle. Ah, oui, monsieur, oui. C'est vous qui avez récupéré les lingots? Pourquoi, monsieur? Ça vous dérange ou pas? Je vous ai bien aidé. Non, parce que j'ai tué 6 gendarmes, en fait. Écoutez, je suis la Home Life Security, monsieur, je suis parti des gendarmes. On va dire que j'ai rien entendu. D'accord, monsieur? Je sais très bien, monsieur. Ne inquiétez pas. Les gars, c'est les Home Life Security qui ont récupéré les lingots. Hein? On a reperdu les lingots? D'accord. Ah, c'est le camion sans lingots. D'accord. Daniel, pour Robert, est-ce que t'as survécu pour l'action? Je suis sur Attira là actuellement. Oui, ils ont les lingots. Monsieur, vous avez les lingots, on le sait. De quoi, monsieur? Désolé, il y a la radio qui arrête pas. Oui, monsieur. On sait que vous avez les lingots. Non, là on a le fourgon sans lingots là. Bah, j'étais avec deux mecs dépanneurs, ils sont en train de jouer avec vous. Mais il y a deux fourgons hein, normalement. Bon, vas-y, appelle les pompiers toi. Bah, il y en a un qui a explosé, monsieur. Ah, je ne sais pas, je suis pas au courant. Moi qui l'ai fait exploser en plus, j'ai même pas fait exprès. Je l'ai rentré dedans, tu vois. J'ai rentré dedans, je dans suis sur, mec, sur Attira là, moi. Voilà. Je me dirige. Ouais, non, je me dirige le plus vite sur la route de Kavala, hein. Du moins la route d'Attira, là. Je suis sur la route d'Attira entre l'aéroport et la route nationale. Porsche Cayenne sur ma position. Est-ce que t'as la gendarmerie avec toi ou pas? Je sais pas si c'est la gendarmerie. La gendarmerie, vous me recevez? Bien pour ça. Est-ce que ça serait possible d'avoir une protection sur le Brinks qu'on a récupéré actuellement? Allez, ici Carbone, je t'en veux au cas où. Vers QG de la Home Life, c'est que. On a récupéré le Brinks avec les lingots. Merci Akinator pour ton petit follow, c'est gentil de ta part. Je l'ai Lamborghini devant moi. Ouais, t'inquiète, elle fait que passer. Peut-être pas, parce que tout à l'heure elle m'a suivi et là elle sort bien nous suivre. Merci, ça t'abîme, pour le petit follow. Merci à toi. Oh mon dieu! Un macaque avec des noix de coco! État des lieux, les gars? Je suis suivi par une Lamborghini, j'ai le Brinks avec l'or qui est dedans. Ok, tu peux venir me récup ou pas là? On est au QG. Ah, j'arrive à pied en rapide là. Ok, je te récupère, je suis poursuivi. Hein. Ok, j'ai prévenu la gendarmerie, hein. Gendarmerie pour Home Life Security? Oui, je vous écoute. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe avec les Brinks? On a le Brinks Splendor actuellement, là, il vient me récupérer et on va directement à la banque. Hein. Mais apparemment, il y a du monde hein, tout autour de nous, hein. Je sais pas si c'est vous. Le portier est mort, c'est nous. GIGN, on arrive. Hey, go. Non. On se fait tirer dessus. Vas-y, avance. Go, on se barre. Ok, j'ai un verre. Je suis mort.
c'est Calvrinx chargé du coup. Ouais, ça doit être moi, mais je sais pas. Hein. Homme Life Secure, on va essayer de passer frontière. Je crois que j'ai le Brink Splendor. Hein. Je vais essayer de passer frontière, je me fais tirer dessus. Oh là 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 là. Homme Life Security pour gendarmerie, est-ce que vous me recevez là? Je suis actuellement poursuivi là par un hélicoptère, j'ai besoin de renfort s'il vous plaît si possible. S'il te plaît, Max? Tu me reçois ou pas, Max? Ah putain, je suis le seul vivant, nom de Dieu, mais merde! Ok, d'accord. Daniel pour Robert. Max, ouais, je t'écoute. A quitté l'île. Ok, d'accord. T'es où toi? Je me fais réanimer par les pompiers. T'as les rebelles à côté de toi ou quoi là? Négatif. Life Security pour gendarmerie, je vous suis, hein. Je suis juste derrière vous, hein. Oh, je dépose. Ouais, c'est toi là le brink derrière nous. Ouais, c'est bon, ouais. J'avais des rebelles qui m'ont tiré dessus là. Pour l'instant, j'attendais un peu de renfort. Daniel, confirme-moi que t'avais bien les lingots dans ton camion. Oui, je confirme. Ok, bien reçu. Tu veux du soutien? J'ai la gendarmerie avec moi. Reçu. Moi j'ai une voiture de gendarmerie. Puis tout le monde est autour de moi. De Morgini aussi. D'accord, d'accord. Robert, vas-y, passe. Ouais, j'arrive. Ouf. Les pompiers par gendarmerie. On écoute. Au niveau de les gravia, il y a des hits morts, je peux les réa ou pas? Pour l'instant, en négatif, hein, vous risquez de vous faire tirer dessus. Ok, entendu. Bien joué. Bien joué toujours, merci gendarme, hein. Merci à vous. C'est vraiment chaud. Hein. Bien joué. Cade. Ouais, de rien, fais attention par contre, en sortant, Robert, il y a encore des tirs. Daniel Cade, fais attention, tu fonces directement sur le rebelle. Ok, bien reçu, de toute façon je me dirige QG rapidement. Message Facebook. Pompier, est-ce que je peux les stabiliser? Ah, le négatif, après j'ai peur de pas avoir le personnel pour les arrêter. Hein. Ok, entendu. Je remercie encore les gendarmes. Hein. Ouais, c'est pas si filou, hein. Je te le dis, hein. Et j'ai fait le mort, hein, pour que ils tiraient tous dans le camion là. J'ai attendu avant de prendre le compte des conducteurs, tu sais, qu'ils aient plus de balles. Et après, dès qu'ils ont un peu calmé, j'ai repris, je suis reparti de plus belle. Parce que je me suis dit, non, on sait jamais, peut-être ils vont croire que. Ouais, non, mais il est blindé, mais devant, ouf. Ouais, merci, Guillaume. J'ai bien fait de ficher le cul, alors. Ah ouais, là, ça c'est clair, oui. Bon, je suis au QG. Ok, j'arrive, là.
Ah, j'ai bien cru que les hits ils nous faisaient. Heureusement qu'ils ont pas tiré de part, ils ont fait hop 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 hop. Hein. Parce que sinon on était mort. Hein. Oui, le petit coup, non, 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 non. Ouais, ouais, ça nous a sauvé. Ça nous a sauvé le non, non, non. Ouf. Bon bah félicitations. Oh, eh, j'ai plus de vie. Pertes. J'ai plus de vie, hein. Oh, nom de Dieu. J'ai plus de vie. Ouf. De l'adrénaline là, ouais. La course et tout. Complet, complet là. Là 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 là. En plus il y a Jack qui s'en est suivi, mais bon l'inconvénient c'est qu'il a reçu un message important, il a dû quitter. Bon. Qui c'est encore qui est sur les lieux actuellement? Il reste Murphy et moi. Hein? Ah ça tient encore. C'est le gendarme. Bah si j'ai vu. J'ai vu qu'il a reçu un message mais... On verra après. Hop là. Alors. Allez, je pose ça. Ah, j'ai tout posé hein, au cas où Daniel pour l'instant, hein, par sécurité. D'accord. Après on va attendre un petit peu, je sais pas où on en est là, on a qui alors à terre là actuellement là. Alors on a perdu Jack, Arthur. Ouais. On a eu perdu beaucoup de troupes. Hein. Carbone et on est 3 survivants sur 6. D'accord, et Carbone on a perdu définitivement pour ce soir? Ah je pense que oui. D'accord. Et ce qui s'est passé c'est que je pense que l'Ifrit est entré dans le Brinks. Hmm. Au niveau de la station service, donc ils ont été obligés de descendre, Artyom et Jack, ouais. Ils se sont fait descendre par les propriétaires de l'Ifrit. Ensuite j'ai rappelé Carbone et Murphy qu'ils étaient sur la banque pour qu'ils reviennent récupérer le Brinks. Aussi. Là ils se sont fait allumer en arrivant. Moi j'ai fait des tirs de soma sur le Brinks, ils sont partis avec et on l'a retrouvé dans les papyrus au sud de l'aéroport. D'accord, il y avait personne tout autour en plus? Il n'y avait personne autour, il était caché. Ouais, il était caché, ouais, il attendait, ouais, parce que, ouais. Je pense que le mec qui l'a récupéré n'avait pas de quoi le... Enfin, ouais, attendait le... que ça ouais. Se passe pour aller revendre. Voilà, il se d'accord, savait d'accord. Poursuivi vu que Murphy lui a collé ouais. Au train. D'accord, ouais. Ensuite... Ici Murphy pour ramener CQ. Ouais, tu me reçois? Bien évidemment. Ça va mieux ou pas de... Ouais, moi ça va un peu mieux, je viens de sortir de l'hôpital par contre et j'ai perdu tout mon équipement et tout. C'est pas grave, t'inquiète pas, là on a sécurisé les lingots, hein. Tout se passe bien. Parfait. Par contre, j'ai cassé mon véhicule justement à l'entrée du... On va venir te récup. Du véhicule. Ok, parfait, merci. Je vous attends à l'entrée de l'hôpital de Tira. Ok, bien reçu. Merci. Bon, du coup je vais aller choper vite fait, Daniel. Reçu. Et hop, on va choper directement. Garage, on va sortir. On va sortir le Dodge, allez hop. C'est qui a gagné? Oh ben c'est moi, GG, pour moi hein, je parle. Bon. Genre, ah mais j'ai rien fait du tout moi, hein. Tu sais, c'est pas moi. Je vais plus jouer à ces jeux parce que moi j'ai toujours de la chance à ces jeux, mais. J'ai pas envie qu'on me dise, ouais, il triche ici, mi. Le pompier, il a plus assez de matos dans son sac. Non, c'est pas ça, c'est que à mon avis. Là, c'est qui... ah, là, là. Bonjour monsieur. Ah, non, c'est pas moi. Bonjour. Bonjour monsieur Caifano. Vous allez bien? Bonjour. Affirmatif. Bon, c'est ces personnes qui m'ont tiré dessus là. Ah mon chauffeur, oui, bah il a pris des balles, oui j'y peux rien. Il est dans le mal. Mais bon, écoutez, le principal c'est que nous notre opération soit bien finie. Tout à fait. Allez, bonne journée monsieur. Ouais, je vais réquisitionner l'escalade. Oh là là. Il l'a déjà ouvert le monsieur. hacker tricheur, non, j'ai rien fait du tout, hein. J'ai rien fait du tout.
là là. Wow. Ah mince. Hop, c'est bon go. Alors, tout ça, bah, ça s'est bien passé, on a pu... Là on s'est fait tirer dessus à ce niveau là. J'étais à pied, je revenais de l'hôpital. Il y a Daniel qui est venu me récupérer en camion. Et là c'est poursuivi, il était poursuivi par les Hitman. Ils sont actuellement dans la voiture que vous venez juste de croiser. Ah, d'accord, parfait. Voilà. Et voilà, tous les lingots ont été sauvegardés. Non. Voilà. Vous êtes pour chasser. C'est pas grave, je vais m'arrêter. Je répète, c'est pas un véhicule noir qui vient de passer à côté de nous. Ah, Home Life Security. Non, non, c'est le cul. Home Life. C'est bon, c'est Home Life Security. Et Daniel ! Ouais, non, y'a pas de Daniel. Aïe, ouais. Ah là là. Et après, on dit qu'ils ont pas de communication, hein ? Ouais. Bon, allez. On va repartir au coup. Ça rapporte combien en fait un... Là on a gagné un million à peu près, hein. C'est la valeur des lingots. Ah ouais, voilà, un million divisé par le nombre de... Oui, c'est pour ça que j'ai tout mis en sécurité dans mon coffre personnel, mais bon. Pas de soucis, hein, vous allez être payé. Oui, non, c'est... Je me fais pas de soucis pour ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, hier on a fait... avec Monsieur Carbon, on a fait 3 demi-heures de protection. Oui. Et on n'a pas été payé. Par qui ? Une heure par évêque et une autre demi-heure par quelqu'un d'autre, sauf que c'est d'accord. L'attaque qui a eu lieu à l'acheteur de sel. Ah ouais, mais ça là, par évêque, ça, je m'en chargerai, mais après, par le reste, je ne suis pas au courant. Hein. Leur prénom et leur nom. Hein. Bah moi je les connaissais pas, on a même pas eu l'occasion de les voir puisqu'il y a eu l'attaque. D'accord monsieur. Voilà. Bon, bah attendez, je vais ranger mon véhicule. Est-ce que quelqu'un pourrait me rééquiper après ? Bon, de votre ressenti du coup sur ce premier convoi, oui. Bah écoutez, c'était pas mal jusqu'au moment où je me suis pris 2 balles dans le torse. Heureusement que le gilet pare-balles m'a sauvé la vie. D'accord. Par Tenez. Contre, oui, chef. Oui. Pourquoi pas aussi s'entraîner, faire des entraînements là-dessus, parce que j'ai remarqué qu'à un moment donné, il y a désolé pour vous, la recrue Murphy et Carbon ne savaient pas trop quoi faire pendant l'action. Oui, non, tout à fait. En plus, c'était les stagiaires, alors du coup, c'est vrai que c'est leur première initiation aussi là-dessus. Moi, je peux vous dire que j'étais parti sur le côté, j'ai vu le camion partir, du coup, j'ai eu la chance de voir un véhicule déloqué, hein. Je l'ai volé, hein, très clairement, hein, pour partir derrière le camion. Hein. Et apparemment, les personnes à qui j'ai volé le véhicule s'en ont aperçu, ils m'ont tiré par derrière. D'accord. Voilà comment je suis mort, moi. Ouais, mais j'avais volé le véhicule parce que bon, il me fallait un véhicule pour suivre ce camion le plus vite possible, hein, qui partait en direction. Ouais. Et après, bon, Daniel, vous êtes parti au cul derrière directement. Hein. Ah bah moi j'ai senti de vous couvrir chef. Mais... Ouais je sais, j'étais dans les broussailles, je voyais rien du coup, et j'ai vu cette voiture et... Bah heureusement j'ai survécu, sinon on aurait pas un contrat pour Awake, ouais, mais pour la protection des bâtiments. Je sais pas. Et en plus en revenant... Mais bon, t'inquiète pas. En revenant vers Atiras, comme moi j'ai été transféré à l'hôpital des Cavales en fait, je sais pas pourquoi. En revenant à Atiras, j'ai croisé le Brinks vide, je l'ai croisé, il m'a coupé la route. T'es sûr que c'était pas nous ? Non, c'était le vide, sinon j'aurais vu le petit... Mais le vide ? Ah ouais, non mais peut-être c'était les dépanneurs qui le mettaient en fourrière, je ne sais pas. Non, parce qu'il a coupé à travers champ et il partait à toute allure. D'accord. Donc, à mon avis, la personne qui était dedans pensait qu'il y avait les lingots dans celui-là. Ah, donc, peut-être. Le Brinks Clair a plutôt bien fonctionné. Ah, mais on a plusieurs méthodes, mais bon, on attend qu'il y ait de nouveau une passerelle pour passer au-dessus de la manche, comme on dirait. Il y avait une passerelle. Deuxième Brinks. Oui, bah écoutez, il est où le deuxième Brinks là, dans... 341 mètres. Ah, il est vraiment pas loin, ouais. Ouais, il est pas loin, ouais. Bah écoutez, moi de toute façon, pour moi c'est la fin de mission, hein. Je vous souhaite une bonne journée, hein, monsieur Murphy. Bah, je vais aller chercher pareil, attendez, je vais vous donner quand même un petit pécule, hein, Alexa.
Moi je pense que je vais arrêter pour la soirée aussi. Moi aussi. Je vais donner, allez. Par contre, chef, les véhicules qui restent là dehors, c'est les vôtres, je crois. Ouais, je vais les ranger, je vais tout ranger, y a pas de soucis. Tenez, déjà. Voilà. Merci. Alors, voilà. Il y avait 11 lingots dans le Brinks ? Ah ouais, il y avait 11 lingots. Merci. Ouais. D'accord. 11 lingots. Un lingot, ça vaut combien pour les malfrats ? 138 000, je crois. 140 000. Regardez actuellement la bourse, hein, vous aurez les prix du lingot. Ah, sur la bourse, d'accord. La bourse. 150 000. Ah oui, d'accord. 150 000. Voilà. Je cherchais le Brinks. C'est-à-dire que là, il y en avait pour 1 700 000 à peu près. Ah, d'accord. On était payé 1 100 000 à peu près. Bon, ça c'est plutôt bien payé. Si on arrive avec les pertes qu'on a eu, moi désolé, c'est un minimum. Hein. Ouais. Si on arrive. Parce que là, si vous calculez, on a eu énormément de chances de récupérer les Brinks en vie. Hein. Du moins, le Brinks c'est surtout plein. Hein. Ouais, c'est principal. Oh oui, vas-y Ranto. Allez, je range mes véhicules. Ah bah tiens, le Brinks est ramené par les dépanneurs. Ah non, non, c'est par Daniel apparemment. Bon, monsieur Califano, moi je vais... Allez, je vais aller me coucher. Moi aussi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Ici, dépanneur Tony Stagiaire. Je suis au commissariat, enfin à la gendarmerie à Kavala, et il y a un officier qui est au sol. Terminé. Oh, ok, bien pris, merci. Allez, bonne soirée à tous ceux qui sont sur la radio. Et aussi, il me faudrait un autre homme car j'aurai une place à déposer contre. Daniel, fin de service pour ma part, Daniel. Bonne soirée à toi. Tu m'as reçu, Daniel ? Là, je fais quoi ? J'arrête ? Ben oui, je vais arrêter. Pourquoi ? Parce que j'ai un travail demain. Hein, et il est déjà 23h10. Hein, et puis voilà, j'ai une femme aussi qui m'attend au-dessus. Hein, du coup, je vais arrêter un petit peu. Allez, bonne journée. Musique en plus de monsieur. Ah, j'aime bien cette connais musique. Connais gendarmerie pour Black j'aime Security. Ah merde, je pourrais pas quitter. Ouais, je vous reçois. Est-ce que vous êtes dispo ? Actuellement, non. Hein. Non, il y a tout mon effectif qui est parti, vu l'heure. Hein. Ouais, ok, ça marche, j'ai appris. Voilà. Pourquoi il fallait une assistance ? Non, c'était juste si jamais vous aviez pas de boulot et que vous aviez envie de faire un peu de prévention. Là, on a Atira qui est en train de se faire attaquer par des Ifrits. Donc si vous étiez disponible, c'était faire dégager les civils de la ville, mais... Ouais, là on a... Comme d'habitude, hein, quand on fait quelque chose, on refuse 5 contrats, alors... Hein. Là on a refusé un contrat okay, de 7 camions. Oh putain. Ouais, tu comprends. Alors, tu vois le truc, hein. Voilà. T'inquiète pas, je comprends. Allez, à plus. Daniel pour Robert, le Brink, c'est un dépanneur qui l'avait récupéré. Ok, bien reçu. Pour récupérer lui-même le fric. Ah bon, d'accord. Tu t'as le nom ou pas ? Reçu ? Ouais, t'as le nom ? T'as le nom ? Il va le mettre en fourrière là. Et il voulait récupérer le pognon ? C'est lui qui a volé le camion. Ah d'accord, ok. T'es sûr que c'était pour le pognon ? Oui, il vient de me l'avouer. Et c'est qui son nom ? Là, il est au QG, il a une casquette, il est tout nu. D'accord, attends, je vais le donner. Donner le nom. Robert, pour colonel, est-ce qu'il y a un moyen de se parler en privé ? J'ai reçu une annonce importante. Vous pouvez m'écrire un message ? Vous pouvez m'écrire un message, je vous réponds. Ouais, vas-y.
la musique. Si, c'est bon. Apparemment, on a reçu un petit message comme quoi... un dépanneur avait volé le Brinks. Voilà. Daniel, pour Robert, tu peux me dire son nom, s'il te plaît ? Je sais pas son nom. Ah, ok, d'accord. Alors, j'ai dit qu'il l'avait caché pour... Ah là là... Je te jure. Un dépanneur qui nous avait piqué le truc. Il est où là, actuellement? Hein? Il est où, il était où la dernière fois que tu l'as vu là? J'ai son signalement si tu veux. Dis-moi au cas où, ouais. Il est en slip chaussette, il okay. a une casquette, casquette verte avec des écouteurs. Il est tout nu, oui. Enfin, moi je voyais pas sa tenue. Hey, hey, hey. Là on est en train de monter un dossier parce qu'un dépanneur nous a volé quand même le comment ça s'appelle selon les 7 camions. C'était le nôtre, les 7 camions de sel. Oh merde, ouais, désolé Akinator comme on dit. Hein. On était sur l'OP là, du coup on pouvait pas. Mais la prochaine fois il n'y a pas de souci Akinator. Il n'y a pas de souci. Mais comme on dit là, nous voilà, c'était vraiment l'event, ça fait on le fait une fois de temps en temps. Et la dernière fois que tu l'as croisé, il était par où là? Il était sur par ici là? Il était à la fourrière d'Atiral. D'accord. Et surtout, ça veut dire qu'il a pris le camion, il est monté dedans. En utilisant son ses clés là. Parce que ouais, je pense, arrivé, ouais. Il était fermé. Ouais, je pense que oui. Il a utilisé son pouvoir. Jeu, c'est Michel Hernandez. Ok, bah écoute, la prochaine fois je te croiserai, y a pas de problème pour toi. Brian, pour Roro. Ouais, j'écoute. Ouais, du coup, je t'ai tout marqué dessus, hein, là où il était, sa description et qu'est-ce qu'il a fait pour monter dedans. Hein. Ok, ça marche, merci. Il a utilisé le pouvoir suprême des dépanneurs. Ah, ok. Bah allez, bonne soirée. Merci. Bah allez, moi, sur ce, je vais me pluter, parce que c'est l'heure. Allez, ciao ciao, Daniel, à demain. À demain, Daniel. Allez hop. Ah là 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 là. Ballot quand même, hein. Un dépanneur qui nous pique quand même le Brinks, hein, pour se faire du pognon à compter. Ah bah c'est vrai qu'il y avait de l'or, hein, je dis pas le contraire. Il y avait du pognon, mais il a utilisé quand même son... Channel switched. Hop là, voilà. Y'a Kiko en bas, y'a personne au cas où. Recrutement, enfin... ouais. Disconnected. Hop, on va arrêter. Est-ce que tu veux aller... Ouais, je vais y aller vite, tu sais. Bon les gars, je vous invite quand même à venir sur mon petit groupe Facebook au cas où, Twitter ou surtout le groupe Steam. Le plus important, comme je vous disais, c'est le groupe Steam. Pourquoi? Parce que j'envoie toujours une petite annonce avant de live. Comme ça au moins vous serez au courant de comment ça s'appelle, de quand je live. Chaque fois je fais une petite annonce, voilà, quand vous êtes en jeu ou quand vous avez les notifs, il n'y a pas de souci là-dessus.
Je vous invite à juste à cliquer sur le petit, les petits liens qui sont juste en dessous, hein, et d'aller vous faire plaisir à regarder les petites pages. Bon, alors, maintenant, je vais regarder mon petit skip, mon petit Facebook, vite fait. Là, je vais remettre la petite musique de Monsieur Ranto, là, parce que je l'aimais bien, celle-là, moi. J'aimais bien, celle-là. Alors... on peut, oui, on peut m'ajouter si vous voulez sur Steam, j'ai mon groupe, c'est juste Cooker TV. Comme je dis, il y a juste les liens en dessous, hein. Vous avez Juzu Cooker TV, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci. Après, mon perso, si possible, non, mais bon, vous avez le groupe exprès pour, hein, c'est déjà fait pour ça. Comme ça, au moins, vous avez les messages et au cas où, au pire des cas, vous pouvez m'écrire. Voilà. Aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fête dans alors, la mon vie. Facebook j'ai un aussi. Il y a le sexe aussi. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille. Ok, un ami, c'est pas possible. Mais le cochon, l'inconvénient, c'est que si tu veux, je bride un peu mes amis. Et si tu veux m'ajouter, ajoute-moi. Mais l'inconvénient, c'est que si je joue pas régulièrement avec toi, je te le dis franchement, tu vas pas rester longtemps. Voilà, moi, j'ai pas beaucoup d'amis dans mon petit groupe. Moi, je les connais tous. Si tu veux m'ajouter, il n'y a pas de problème. Mais bon, déjà, il y a le groupe, hein, qui est fait pour. Et si au cas où tu as une question, tu as quand même la page Facebook ou tout ça. Pas besoin de me faire un dessin. Ils font que de la convoi de légal, ouais. Uniquement de convoi légal. Ouais, on est spécialisé dans le convoi de légal et protection rapprochée de personnes et protection aussi de VIP et d'entreprise. Voilà. Ça, je vous invite au cas où à aller dans le petit groupe en dessous, hein, le groupe Juste Cooker TV. Comme on dit, c'est fait exprès. Voilà, au moins vous aurez une petite notif. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter une... Je l'ai pas reçu, non? Attends, fais voir. Ah là, si, ça y est, je l'ai. Alors, fais voir. Quelle aventure! Fruit de la passion! Ça me fait soupirer! Fruit de la passion! Ah. Jack Civil! Ah, d'accord! Ok, ok, bah écoute, comme on dit, je vais te répondre après, demain, hein, je vais pas te répondre aujourd'hui, je te répondrai demain, et après, sur MLife News, y a pas de problème, hein, on fera des petits reportages ensemble, et puis voilà, mais bon, pour l'instant, je te répondrai demain, et après, y a pas de souci, d'accord, hein, parce que pas ce soir, là, tout ça, mais demain, je te réponds, et on en reparlera demain. Allez, je remets la musique et je vous dis bonne soirée à tout le monde. Allez, à plus. Ciao, ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, ciao. Chantal.
et moi-même en toute une. Caresse au cas transporter moi, on manie transport en commun. Tibougla y bien caché, qui est content et mal élevé. Attends, c'est laisser aller. Continuez. Chérie, tu me donnes ta passion, et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi.